Le Cap-Vert, un pays assez particulier par sa présence géographique et un pays qui commence petit à petit à se développer, qui sera sans doute à l'avenir un pays très important pour le continent africain. Ayant obtenu son indépendance en 1975, le Cap-Vert peut compter sur de nouveaux avantages et une grande exploitation. Mais le Cap-Vert reste aussi un pays qui aura un futur brillant. Cependant, le Cap-Vert, c'est aussi et surtout le football. Les requins de la mer Bleue, le Cap-Vert, ont réussi à marquer leur histoire de leur pays dans le football en 2013. Ayant connu le football de haut niveau dès les années 92 suite à un problème d'inscription à la Confédération africaine de football, elle commence à participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique 1994 organisée en Tunisie. Le Cap-Vert va donc petit à petit se développer et va même réussir à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Mais le chemin fut long, très long, pour les requins de la mer Bleue. En effet, le chemin fut long, mais le Cap-Vert se voit récompensé lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2013, où ils arriveront notamment à éliminer les Lions Indomptables du Cameroun, vainqueurs 5 fois de l'édition. Le Cap-Vert va réussir à battre le Cameroun dans un match épique en terre capverdienne sur le score de 2 buts à 1 et va réussir à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire, historique pour cet archipel et pour ce pays. Nous allons jouer contre la meilleure équipe du groupe, le Maroc. Nous allons jouer comme nous l'avons déjà fait auparavant, avec respect. Nous voulons atteindre la phase suivante et notre objectif est de franchir toutes les étapes jusqu'à la finale. C'était un vrai plaisir de participer au match d'ouverture. Le résultat a été très bon et il a contribué à motiver les joueurs d'être encore plus performants pour les matchs à venir. En effet, après un premier match très concluant face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le Cap-Vert va affronter l'un des favoris de la compétition, le Maroc. Dans un match assez fermé où les deux équipes se rendront coup pour coup, le Cap-Vert va réussir à arracher son match nul historique. Un but partout grâce à un but de Luis Platini sur une passe de Ryan Mendes, réussissant à tenir en échec les Lions de l'Atlas. Lors du troisième match ultra décisif pour l'équipe nationale capverdienne, les requins de la mer Bleue ne vont pas faire de cadeau et vont réussir à s'imposer dans un match historique sur le score de 2 buts à 1 dans les 10 dernières minutes grâce à des buts de Varela et de Eldon. Le Cap-Vert se qualifie pour sa première Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire en quart de finale, quelque chose d'assez incroyable pour les requins de la mer Bleue. Malheureusement, l'aventure s'arrêtera pour le Cap-Vert en quart de finale face au Ghana. La réalité rattrape le Cap-Vert, malheureusement éliminé dès les quarts de finale face au futur demi-finaliste de la compétition. Cependant, le Cap-Vert sort la tête haute après cette très belle participation et va même réussir à se qualifier pour la CAN 2015 organisée en Guinée équatoriale. Ont confirmé leur nouveau statut d'épouvantail en Afrique. Guillaume Pivot. C'est une petite île au cœur de l'Atlantique, une petite équipe discrète et sans référence. C'est ce que pensaient le Cameroun, le Maroc ou l'Angola. Mais c'était avant ça. Avant la qualification du Cap-Vert pour les quarts de finale de la dernière CAN en Afrique du Sud.
Les requins bleus s'étaient trouvé un surnom en sortant le Cameroun en qualification. Ils se sont fait un nom à la CAN 2013. Et sans une erreur administrative qui les disqualifiait, ils auraient sans doute pu jouer la Coupe du Monde au Brésil. Remis de cette déception, le Cap-Vert de Ryan Mendes est reparti de l'avant, remportant haut la main un groupe avec la Zambie, le Mozambique et le Niger. Hoje é dia de festa, Cabo Verde inteiro tem festa, acho que não merece, nosso povo merece e pronto, e toda a gente de parabéns. Vamos essayer de faire mieux que la CAN passée. Le groupe, notre effectif, on a beaucoup de qualité, je pense qu'on peut faire quelque chose là-bas. On va travailler pour, mais maintenant on a le temps, on va se concentrer sur ce match-là, le prochain, et puis dans notre club. Après la CAN, quand elle va arriver, on va faire le maximum pour notre pays, comme toujours. Premier qualifié pour la CAN 2015, la deuxième de son histoire, le Cap-Vert veut continuer à jouer les troublions, et pas seulement en conférence de presse. Après la Coupe d'Afrique des Nations 2013 très réussie, le Cap-Vert va hériter d'un groupe assez homogène composé de la Tunisie, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Le Cap-Vert va faire un premier match assez solide face à la Tunisie. Le Cap-Vert va égaliser à 37e minute sur pénalty, permettant ainsi aux requins de la mer bleue de tenir en échec l'un des favoris de la compétition, futur quart de finale de la compétition, les Aigles de Carthage. Après un nul assez frustrant face à la RDC où le Cap-Vert aurait clairement pu l'emporter, les requins de la mer bleue vont souffrir et vont malheureusement revenir sur terre avec un match nul 0-0 contre la Zambie. Les deux équipes devaient gagner ce match s'ils voulaient se qualifier pour le prochain tour de la compétition, chose qui ne sera pas faite, sachant que le match se terminera sur un 0-0 assez triste pour les deux équipes. Le Cap-Vert est éliminé dès le premier tour. Un assez dur retour à la réalité pour les requins de la mer bleue. Surface sans trouver preneur. Au retour des vestiaires, un déluge s'abat sur le terrain, rendant les conditions de jeu très difficiles. Finalement, la plus belle occasion est à mettre à l'actif de la Zambie sur un centre de Nkosu venu de la droite. Kangwa manque totalement sa reprise du gauche et ne parvient pas à trouver le cadre. Score final 0-0, la Zambie et le Cap-Vert quittent tous les deux cette CAN 2015 sans la moindre victoire. Après cette CAN, c'est le début d'une longue traversée du désert où le Cap-Vert va louper plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique avant celle de 2022 où ils réussiront à se qualifier. Décroché pour la CAN 2021 est revenu à ses requins bleus, l'autre place étant d'office réservée au Cameroun, pays hôte de la compétition. Un ticket qualificatif, synonyme de troisième participation pour une sélection capverdienne qui vise mieux que les quarts de finale atteints en 2013. Cameroun est one of the best in Africa. We respect. Le Cameroun est l'un des meilleurs en Afrique, nous le respectons. Mais nous voulons passer la phase de groupe. Nous voulons faire un bon travail et nous voulons nous qualifier. Dans le continent, le Cap-Vert fait partie des sélections qui ont réussi à se tailler une place, bien qu'encore infime pour le moment, dans un football africain où commence à disparaître le vocable « petite équipe ». Illustration avec des matchs de référence de la sélection de cet état insulaire situé au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Nous nous sommes bien préparés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons faire de notre mieux pour rester à la hauteur de la compétition. 77e au classement FIFA, la sélection menée par Pedro Letao ne cache pas ses ambitions. En 2013, lors de sa deuxième CAN, le Cap-Vert atteint les quarts de finale. Un exploit pour une équipe de ce rang. Le manque de complexe des requins bleus leur sera sans doute utile lors de ce troisième rendez-vous au pays des lions indomptables. Vamos ter coragem como equipa. O nosso povo tem isso, digamos, de nascença. Vamos ter por coragem e por a nossa qualidade. Em função da equipa, nossa qualidade individual em função da equipa, para melhorarmos cada vez mais, obviamente com uma competição. Nos avons travaillé beaucoup. Nous avons compté aussi avec l'expérience des joueurs capverdiens qui sont à l'extérieur, et la jeunesse. Oui,
et toute l'organisation aussi de la Fédération Cap-Verdienne de football. Vous entendez ou non? T'en prends, ça n'est pas l'air soir. Go! Na CAN 2013, e a partir daí o nosso futebol começou a ser conhecido em África e na Europa, os nossos treinadores também, os nossos jogadores, e isso incentivou em grande parte os miúdos cabo-verdianos, as escolas de formação em Cabo Verde, que estão espalhadas por várias ilhas, por diferentes localidades em Cabo Verde, e desde aquela data temos um número crescente de crianças a praticarem o desporto rei. É difícil, visto que tanto os clubes como academias, eles trabalham com a intenção de exportar os melhores valores, os melhores jogadores cabo-verdianos para o exterior. Mas temos feito um caminho bastante bom pelo tamanho do nosso país, que é um país pequeno. Acho que no futuro estaremos de certeza, tanto no Mundial, como teremos condições também para disputar de uma forma muito mais afincadamente a Copa da África e trabalhar para ganhar a Copa da África. Claro. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, où le Cap-Vert réussit à se qualifier, les requins de la mer Bleue tombent dans un groupe assez homogène composé de l'Éthiopie, des étalons du Burkina Faso et le grandissime favori, le Cameroun. Cependant, le Cap-Vert va entamer la compétition sans aucun complexe, réussissant à battre l'Éthiopie pour son premier match. 3 points précieux, 3 points vitaux qui vont permettre au Cap-Vert de se qualifier en 8e de finale de cette dernière compétition, en étant parmi les meilleurs 3e après le match nul héroïque obtenu face au Cameroun lors du 3e match. Le Cap-Vert va filer en 8e de finale, mais va malheureusement perdre face au Sénégal sur le score de 2-0. Face au futur champion d'Afrique, le Cap-Vert a manqué malheureusement de réalisme, mais n'a pas à rougir de sa prestation. Concernant les qualifications à la Coupe du Monde, le Cap-Vert n'a jamais participé à aucune phase finale de Coupe du Monde. Les requins de la mer Bleue ont quand même de bons résultats, notamment cette victoire face à l'Afrique du Sud lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Nous pouvons aussi noter leur exclusion lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, où le Cap-Vert pouvait peut-être faire quelque chose. Malheureusement, les requins de la mer Bleue seront exclus par la Confédération africaine de football et par la FIFA. Mais rien n'est perdu, le Cap-Vert peut pourquoi pas rêver. Les requins de la mer Bleue sont une équipe qui progresse de jour après jour. Attention à cette équipe qui risque de faire mal dans le futur. La situation actuelle des requins de la mer Bleue est assez positive. Les Cap-Vert a réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée en Côte d'Ivoire, terminant deuxième derrière le Burkina Faso. D'ailleurs, ces derniers ont même réussi à battre les étalons sur le score de 3-1. Une chose qui n'est pas facile compte tenu de l'adversaire qu'était le Burkina Faso, un adversaire très difficile à jouer. Le Cap-Vert a le mérite d'avoir réussi à battre un gros du continent. Attention à cette équipe peut faire de très belles choses dans l'avenir. Le Cap-Vert a même réussi à se défaire du Togo et de l'Eswatini dans ce groupe et se qualifier aisément pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Cap-Vert pourra compter sur ses points forts comme Bébé, ancien joueur du Rayo Vallecano et un joueur qui a joué en Liga. Nous avons aussi d'autres joueurs comme Ryan Mendes, un cadre incontournable de cette équipe. Les requins de la mer Bleue comptent aussi de grands espoirs comme Gilson Tavares, attaquant évoluant au Benfica B. Nous pouvons aussi ajouter João Paulo Fernandes qui évolue à Ferencvaros au Portugal. Nous pouvons aussi ajouter Gabriel Rodriguez qui a évolué du côté de Elche en Espagne, qui est un joueur cadre. Nous avons aussi le gardien légendaire Vozenia qui est présent depuis 2012. Tout ça sous la houlette de Pedro Leitão Brito, plus connu sous le nom de Bubista, qui a pris en charge l'équipe nationale cap-verdienne en 2020 et qui lui a permis de la remettre à flot.
Nous pouvons voir des compositions tactiques assez différentes, notamment face au Maroc, où nous pouvons voir un bloc bas assez resserré et organisé. Contre le Burkina Faso, Obista a décidé de passer en 4-3-3 et cela a fonctionné, réussissant à battre les étalons sur le score de 3-1. Le Cap Vert progresse ainsi que son entraîneur. Le Cap Vert sera logé dans le groupe D composé du Cameroun, de l'Angola, de la Libye, de l'Eswatini et enfin des îles Maurice. Le Cap Vert sera une équipe qu'il ne faudra pas sous-estimer. Le Cameroun s'en souvient très bien en 2013 quand ils ont sous-estimé. Le Cap Vert a réussi à se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations 2013 battant cette même équipe du Cameroun. Le Cap Vert sera une équipe redoutable. Le Cap Vert aura ses chances. Le Cap Vert continue à grandir et le Cap Vert fera de grandes choses à l'avenir. Bonne chance aux requins de la mer bleue et merci d'avoir regardé cette vidéo.